On est les as de la jungle. Si t'as un problème, tu tires cette poignée là, ça déclenche notre signal et on arrive en un clin d'œil pour t'aider. Tu vois, fiston, le secret d'un grand guerrier tigre, c'est d'être toujours en éveil. Boris ? Pas maintenant, Al. Je suis en pleine leçon avec Junior. Bah, c'est ça que je voulais te dire. Attention au trou. C'est pas vrai. Il a recommencé. Gilbert, juste pour savoir, il est encore là pour combien de temps, ton ami d'enfance ? Ben, justement, je le cherchais pour lui proposer de rester une semaine de plus. Vous l'auriez pas vu par hasard ? Oh ! Des trous, des petits trous, j'adore faire des trous. C'est toute ma vie, les trous. Je sais, Norbert, mais va falloir se calmer un peu. Je sais pas si t'as remarqué, mais ils font tous 75 cm de diamètre et pas un de plus. C'est ce qu'on appelle du travail de trou. Bon, on en reparlera plus tard. Le devoir nous appelle. Les as de la jungle, à la rescousse. Bonne mission. Hop. Bienvenue chez les As de... Fred ! Copain cochon ! Qu'est-ce qui t'amène dans le coin ? T'es pas en train de préparer ton concert ? Bonjour à vous, mes bons amis. J'espérais vous trouver ici. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Fred ? Tu ne chantes plus ? Remarque, ça fait du bien. En fait, j'ai perdu mon groove exceptionnel suite à un énorme choc émotionnel. C'est mon moment préféré de la journée. Je vais pouvoir contempler mon sublime reflet. Un bouton sur mon visage, c'est la cata pour mon image. Mais où est passée ma voix de ténor ? Je veux chanter, mais y'a plus rien qui sort. Et depuis ce jour maudit, je retrouve plus ma voix groovy. Dans 3 jours, c'est le concert de l'année, mais sans ma voix, je dois l'annuler. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, Fred ? Y a que Pelvis, le légendaire roi des crooners, qui pourra me sortir de ce profond malheur. Pelvis, la méga star ! Oh, je l'adore ! Oui, Patricia, Junior est fan, lui aussi. Si vous m'accompagnez chez lui, ce sera la fin de mes ennuis. Tu peux compter sur nous, on va te conduire chez Pelvis. Allez, les amis, en route ! Dans mon terrible malheur, il y a un peu de bonheur. Je vais enfin pouvoir rencontrer l'idole de mon cœur et lui demander un autographe de rocker. Excuse-moi, Fred, il y a un truc que je comprends pas. T'as l'air de bien connaître la route. Pourquoi t'as fait appel à nous ? Pelvis déteste être dérangé, surtout par ses fans surexcités. Il y a des pièges partout autour de sa demeure. Il était temps de nous le dire, Fred. Bon, à partir de maintenant, on fait tous attention où on met les pieds. Compris, Junior ? Voici Grassland, la bien nommée. Merci les amis de m'avoir accompagné. Ah, y'a pas de quoi, Fred. On pouvait quand même pas laisser notre chanteur préféré annuler le concert de l'année. Grassland ? J'hallucine ! J'ai toujours rêvé de rencontrer Pelvis en vrai. Mais oui, Junior, c'est pour de vrai. Toi aussi, tu vas le rencontrer. Qui ose donc me déranger ? C'est Pelvis. J'ose pas lui parler tellement je suis impressionné. Nous sommes les As de la Jungle et nous aimerions vous parler de notre ami Fred, chanteur... Hors de question. Allez-vous-en. Je n'ouvre jamais à personne. Miguel pas aimé la noix de coco qui parle. Apparemment, Pelvis en a vraiment assez d'être dérangé sans arrêt par ses fans. Ça va être un peu plus compliqué que prévu. Attendez, j'ai peut-être une idée. Fred, tire encore la sonnette. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Non, c'est vraiment très dommage. Vous ne saurez jamais comment on a fait pour éviter tous vos jolis petits pièges. C'était une occasion en or de renforcer votre sécurité. Tant pis, des hordes de fans vont débouler ici. Oh.
C'est magnifique. Ce pelvis a vraiment beaucoup de goût. Ouais, il a surtout beaucoup de goût pour lui-même. Approchez, approchez, mais pas trop près surtout. Je suis Fred le Facochère, votre plus grand fan sur cette terre. Merci, merci, j'adore rencontrer mes fans. Alors venons-en au fait, comment vous avez fait pour éviter mes pièges? Grâce à mon instinct de grand prédateur, j'ai d'abord repéré la corde. Les fougères qui la cachaient étaient parfaitement alignées, c'était louche. Retiens, Francis, retiens, ne pas aligner les fougères, quoi d'autre? Les tas de feuilles sur le chemin, elles sont d'espèces différentes, alors qu'autour il n'y a que des bananiers. Retiens, Francis, retiens, recouvrir les trous avec uniquement des feuilles de bananiers, et puis... Et puis j'ai repéré les dalles coulissantes grâce à une colonie de fourmis qui faisait un détour vraiment bizarre. Retiens, Francis, retiens. Obliger les fourmis à aller tout droit. Autre chose? Non. Là, je crois qu'on a fait le tour. Bon, alors du balai. Mon temps est précieux. C'est-à-dire que nous avons fait cette longue route pour accompagner notre ami Fred, qui, je le cite, a perdu son groove exceptionnel suite à un choc émotionnel. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? J'ai déjà assez à faire avec moi-même pour perdre mon temps à aider les autres. Allez, Oust, déguerpissez. En plus, c'est l'heure de mon bain. Monsieur Maurice, Miguel peut taper le caca la malpoli. Tapez, tapez, tapez. Non, laisse, Miguel. Je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. J'ai perdu mon sublime groove à tout jamais. Mon concert, on doit l'annuler. Nom d'un chroneur, j'ai pas fait gaffe. J'ai oublié de demander mon autographe. Restez là, je reviens de ce pas. Monsieur Pelvis, je suis une bécasse. J'ai oublié de vous demander une dédicace. Monsieur Pelvis. Monsieur Pelvis. Wow. Quand tu es loin, mon amour, je me sens comme un vautour. Mais quelle horrible voix! J'espère que Pelvis n'entend pas ça. Je suis d'un mauvais humeur, mais quand t'es prêt, mon amour, j'ai envie de faire un détour. L'amour, ça nous fait dresser les poils. C'est encore mieux qu'un os à moelle. L'amour, ça nous fait pousser des ailes. Ce qui est pratique pour les hirondelles. Oh, use pas trop ta voix, Francis. Je te rappelle que j'ai un concert demain soir. Mais alors? Mais c'est Francis qui chante à votre place. Vous êtes un imposteur de première classe. Waouh, ce choc a été bénéfique. Te revoilà, mon groupe mythique. Tu n'aurais jamais dû voir ça. Personne ne doit connaître mon secret. Au secours, au secours, mes amis. Je suis prisonnier. Venez me libérer, ils m'ont enfermé. Ça ne sert à rien de crier. Personne ne t'entendra jamais. Quoi? On a entendu notre ami Fred crier. Il est prisonnier et on vient le libérer. Venez me libérer, je suis prison. Copain cochon, avoir problème. C'est vrai, Miguel, mais au moins, il a retrouvé sa voix. Jamais vous n'arriverez à entrer. Ma palissade est infranchissable. Infranchissable, c'est ce qu'on va voir. Soit par les airs ou par la terre, pas moyen de pénétrer dans cette maudite forteresse. Je sais pas comment on va faire. Je sais qui peut nous aider. Quelle bande de truffes. Les as de la jungle. Tu veux dire les héros de la jungle, ouais. Eux qui pensaient pouvoir rentrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ça y est, plus de projectiles. Patricia, à toi de jouer. Ils ont franchi ma barrière infranchissable. Des trous, j'adore faire des trous. Et 35 galeries en 23 secondes et 12 centièmes. C'est ce qu'on appelle du travail de pro.
Merci mes amis de m'avoir libéré. Sans vous ma carrière était terminée. Vous devriez avoir honte de voler la voix du Ouistiti. Francis, faire le concert avec moi, ça te dit? Chanter sur scène, ça a toujours été mon rêve. Adieu Pelvis l'imposteur. Comment tu peux me faire ça après tout ce qu'on a vécu ensemble? Moi, de toute façon, c'est pas grave. Des talents comme toi, j'en trouverai bien d'autres. Allez, vas-y, toi, chante. Il était un petit homme pirouette, tchatchouette. Ouais, jolie voix, on sent qu'il y a du potentiel. Encore merci Norbert de nous avoir aidés. Tu peux rester une semaine de plus, mais ne fais pas trop de trous quand même. Oh non, en fait je peux pas rester, j'ai plein de trucs à faire. Au revoir. Ben, qu'est-ce qui lui arrive? Je l'ai jamais vu comme ça. Il va me manquer, c'était sympa quand il était là. Ça va faire comme un grand vide. Un grand vide, tu disais?